Il est écrit dans le livre d'Apocalypse 4, le verset 11, que notre Dieu est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la majesté, car il a créé toutes choses. Et c'est par sa volonté que ces choses existent. Et ce matin, nous sommes venus adorer celui qui a créé le ciel et la terre. Nous sommes venus adorer Jésus. Nous sommes revenus adorer celui qui est redoutable et puissant, celui qui t'a donné le souffle de vie ce matin. C'est de l'Éternel des armées dont je suis en train de te parler ce matin. Alors ce matin, ne manque pas les mots. Ne manque pas les mots pour adorer celui qui t'a créé, celui qui a fait de toi celle que tu es aujourd'hui, celui qui a fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui. Est-ce que les voix peuvent commencer à s'élever et adorer le Dieu? Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons toi le Créateur, nous t'adorons toi l'ami fidèle, nous t'adorons toi le redoutable. Règne en ces lieux. Tu es Dieu en ce lieu. Et tu règnes à jamais. Tu es Dieu en ce lieu. Et tu règnes à jamais. Tu es Dieu en ce lieu. Jamais tu es Dieu. Changer l'atmosphère de ces lieux et commencer à proclamer le règne de Dieu là où nous sommes. Tout au début, le modérateur pouvait dire que la présence omniprésente de Dieu est différente de la présence Emmanuel. Est-ce que tu peux demander à Dieu de régner pleinement? Sature ces lieux de ta présence, Esprit de Dieu. Nous voulons t'expérimenter. Tu es Dieu en ce lieu, où tu règnes à jamais.
règnes. Oh, tu règnes. Oui, à jamais. Tu es Dieu. En ce lieu. Tu règnes pleinement en ce lieu. Tu satures ce lieu de ta présence. Oh, tu es Dieu. Tu règnes pleinement en ce lieu. Ce matin, nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer, Jésus. Quelqu'un l'adore ce matin. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer, Jésus. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, nous levons nos mains, pour t'adorer, le Dieu, le Père Éternel, Emmanuel, nous levons nos mains, pour t'adorer, nous levons nos mains, pour t'adorer, nous levons nos mains, pour t'adorer, Jésus, nous levons nos mains, pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos mains pour t'adorer. Quand tu es en train de l'adorer, quelque chose se passe dans ta vie. Nous levons nos mains pour t'adorer, Jésus. Alors que j'étais en train de prier ce matin, et j'étais en train de recommander ces temps, je disais, Seigneur, je ne sais même pas comment je vais conduire ton peuple ce matin. Le Seigneur m'a montré une brève vision, c'est pour t'encourager ce matin. Il m'a montré l'image d'un démon qui était allongé à terre et en train d'hurler parce qu'il souffrait. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire dans ta vie ce matin. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire dans ta vie ce matin. Mais au travers de cette adoration, Dieu veut faire tomber un démon qui te fatiguait peut-être. Un démon qui t'avait peut-être limité. Et ce matin, Dieu s'est levé pour toi. Et alors que tu es en train de l'adorer, il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Tu vas dire, je lève les mains, touche-moi. Je lève les mains, touche-moi. Je lève mes mains, touche-moi, Jésus. Soupire ce matin. Je lève les mains, touche-moi. Je lève mes mains, touche-moi. Seigneur, tu le fais maintenant. Oui, je lève mes mains. Oui, touche-moi. Touche-moi, oui, touche-moi, lève tes mains ce matin, lève mes mains, oui, touche-nous, oui, touche-nous, oui, touche-nous, j'abandonne à toi, oh, touche-nous, touche-moi, Jésus.
Laisse le Seigneur maintenant agir dans ta vie. Laisse le Seigneur agir dans ta vie. Souffle maintenant, Esprit de Dieu. Et fais du bien à ton peuple. On va tomber ce matin, alors que tu es en train de proclamer, alors que tu proclames la victoire. Ce démon tombe dans le nom de Jésus. Il tombe dans le nom de Jésus. Les liens se coupent ce matin dans le nom de Jésus. Les liens se coupent ce matin dans le nom de Jésus. Les chaînes tombent ce matin et ils sont confus tous tes ennemis, alors que tu es en train d'adorer Dieu. Alors que nous élevons ton nom, la maladie fléchit. Et alors que nous élevons ton nom, la maladie fléchit. Et alors que nous élevons ton nom, les blocages fléchissent. Et alors que nous t'adorons et que nous nous abandonnons, tu agis. Mon esprit délivrance. Je ne sais pas de quoi Dieu veut te délivrer ce matin, mais je vais te dire qu'il est en train de le faire. Je joins mes mains pour t'acclamer. Je joins mes mains.